se foteia, chantei o meu velho fé, pique-se, aleluia. Chantei o cantinho do vôo, o tudo belo e bom de fé, libera que sou velho fé, aleluia, aleluia. Alléluia, alléluia. Chantez au bon Dieu grand-mère, lui-même qui vous soutenait. Chantez au merveilleux, lui qui sait. Alléluia, lui qui sait. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La mémoire de la bienheureuse Vierge scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais qu'à son exemple, nous te servions avec une charité sans faille et que nous obtenions avec bonheur les bienfaits de ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse,
troisième chapitre, les 8 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent le Seigneur Dieu se promener dans le jardin à la brise. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard Seigneur Dieu, parmi les arbres, jardin. Parole. Nous rendons grâce à Dieu. Allons ensemble méditer le psaume 31. Et après chaque paragraphe, nous répéterons. Heureux le pécheur pardonné. Heureux. Le pécheur pardonné. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux le pécheur pardonné. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma foi. Heureux le pécheur pardonné. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Heureux le pécheur pardonné. Tu es un refuge pour moi. Mon abri dans la détresse, de champ de délivrance, tu m'as entouré. Heureux le pécheur pardonné. Plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Alléluia. 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 Et ma bouche annoncera ta louange. Alléluia, alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, alléluia, il est là, il nous attend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi,
Seigneur. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un soumier et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. » Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait, tout ce qu'il fait est admirable, il fait entendre les sourds et parler les muets. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur. Bien-aimés, l'évangile d'aujourd'hui nous rapporte l'épisode de la guérison miraculeuse de soumier accompli par Jésus. On lui amena un soumier en le suppliant de poser la main sur lui. Jésus accomplit alors sur lui différents gestes. Avant tout, il l'emmena à l'écart, loin de la foule, comme dans plusieurs autres guérisons. Jésus agit toujours avec discrétion. Il ne veut pas faire sensation auprès des gens. Il n'est pas à la recherche de la popularité ou du succès, mais il désire seulement faire du bien aux personnes. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous invite et il nous enseigne que le bien doit être réalisé sans bruit, sans ostentation. Il doit être réalisé en silence. Quand il se trouva à l'écart, Jésus plaça ses doigts dans les oreilles du soumier et avec sa salive lui toucher la langue. Puis il leva le regard au ciel. Jésus veut faire comprendre que le miracle advient en raison de son union avec le Père. C'est-à-dire, miracle ça, Jésus fait, il fait dans une parfaite relation avec Sila qui voyait là, papa. Pour cela, il soupira et prononça la parole décisive. Ephphatha, ce qui signifie
ouvre-toi. Et aussitôt, l'homme guérit. Ses yeux s'ouvrirent, sa langue se délia. La guérison fut pour lui une ouverture aux autres et au monde. Frères et sœurs, ce récit de l'Évangile souligne l'exigence d'une double guérison. Premièrement, la guérison de la maladie et de la souffrance physique pour restituer la santé du corps. Deuxièmement, la seconde guérison peut être plus difficile et c'est la guérison de la peur. La guérison de la peur qui nous pousse à marginaliser le malade, à marginaliser le souffrant. Il existe de nombreuses façons de marginaliser. Parfois, lorsque nous-mêmes, frère Maxime, nous ayons frère, nous ayons soeur, nous à souffrir, nous fait la sourde oreille. C'est comme si nous disions ça fait cabrit, pas ça fait mouton. C'est un style de marginalisation. Parfois, n'oubliez si là qu'a souffria et frère nous et sœur nous. Réaction aux chrétiens d'abord, il doit manifester à l'égard des bons samaritains. Même Jean si là qui est sur route là, il a sorti Jéricho. Et sous route là, où tu es lapidé, il t'a souffri. Pour être là passé, il n'a pas occupé à cause de la loi. Lévite l'a passé, il fait même genre. Et c'est bon samaritain. Il t'a porté le secours. Ça veut dire devant souffrance, yon frère nous, yon soeur nous. Nous devons briser toute la loi. Oui, souvent, nous marginaliser un frère, nous, un soeur, nous qui souffrir à cause d'une interdiction, surtout dans le pays, nous, surtout dans le 21e siècle. Ou souvent, les malades et les souffrants deviennent un problème. Pour chacun de nous, qui soi-disant chrétien, soi-disant prêtre, souvent, frère nous en cap souffrir, nous pas porter les bois. Et dans ce moment-là, il doit y avoir une occasion pour nous tous et nous chaque. À chaque fois, nous voyons frère nous, un soeur nous à souffrir, pour nous manifester un geste de solidarité, un geste de sollicitude à l'égard des faibles, des méprisés. Frère Maxime, l'évangile matin invite tout et nous chaque pour nous prendre conscience, pour nous entrer dans le cœur nous. Pour nous quitter toute mauvaise tendance, nous y avons. C'est l'occasion tout matin pour nous demander bon Dieu de remettre la pardon. Pardon. Parce qu'il y a pile de fois, nous n'avons pas agi dans la souffrance frère, nous, dans la souffrance sœur, nous avons souffert. Parce que bon Dieu,
L'abservia, c'est un bon Dieu qui est toujours là pour les réconcilier ensemble avec nous. Mais dans la mesure où nous-mêmes, nous cherchons réconciliation. Eh bien, matin, frère Maxime, tout est nous chaque. Qui souvent méprisé un frère, nous, un soeur, nous qui a souffert. Parfois, nous passer, nous faire comme si. Ce n'est pas un monde qui criait à l'image de Dieu. Parfois, nous passer, nous pas occuper. Eh bien, Jésus invite nous tous et nous chaque matin pour nous prendre conscience. Parce qu'il y a pile de fois, nous ne pouvons pas agir de la parole de Dieu. On nous demande la Vierge Marie, lui-même, malgré souffrance, petite Lia, qui connaît, était toujours était fidèle. Et nous-mêmes, tout, malgré souffrance, frère nous, soeur nous, nous connaissons, nous capables toujours agir envers eux, comme frère, comme soeur. Et c'est juste ça, bon Dieu, tant d'amène tout et nous chaque. Parce que au dernier jour, bon Dieu, grand maître là, papa, il m'a dit, est-ce que vous êtes chrétien? Mais là, m'a dit, combien de fois vous êtes pris en cas, vos frères ou vos soeurs qui t'ont souffert? Combien de fois vous êtes habillé, vos monde qui t'ont ni corps? Combien de fois vous êtes visité, vos monde qui sont en prison? C'est juste ça, bon Dieu, attend nous amène tout et nous chaque au dernier jour. On nous demande, bon Dieu, grand maître là, pour les remplir nous avec l'Esprit Saint, pour vraiment. Nous sommes capables de tourner des chrétiens qui ont engagé la mission. Bon Dieu, confiez-nous en tout bout de la terre, dans nos papas, avec petit, avec l'Esprit Saint. Ensemble au moment d'offrir à Dieu les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Scolastique, Seigneur, Dieu de majesté. Et nous te supplions humblement
Toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe et du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy Mésidor, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Élimène Louis Jasmin, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi aussi dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Antonio Nazer, Bianca Charpentier, Chériline Béatrice Fertil, Diana Mirland Jean-Baptiste, Dr. Ruth Mose, Florence Piroudin, Jessie Dieudonné, Joseph Judeline Calix, Kenya Léon, Monise Latouche, Nadia Myrlène Jean-Baptiste, Rodin Jean-Baptiste, Stéphanie Cantave, Vicaël Paul et Carolina Paul. Et nous implorons ta bonté sur Prima Amant. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, ne me suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Saint Scolastique, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul, par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste avant la bénédiction, si la yo qui a fêté l'anniversaire de naissance, Antonio Nazer, Bianca Charpentier, Chiriline Béatrice, Diana Mirland Jabatis, Dr. Ruth Florence Pirodin, Jessie Dieudonné,
Joseph, Judeline, Calix, Kenya, Léon, Monise, Latouche, Nadia, Myrlène, Jean-Baptiste, Rodin, Jean-Baptiste, Stéphanie, Cantave, Vicaël Paul et Carolina Paul. Nous avons demandé si vous là pour vous passer devant, pour nous capables de chanter pour vous et pour nous bailler aux bénédictions. Il semblerait que vous n'êtes pas présent. Si vous n'êtes pas présent, nous avons campé pour nous capables de recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et bon travail. Merci, mon Père. Merci.